Bienvenue à toutes et à tous les amis, j'espère que vous allez bien. Nous nous retrouvons sur Assassin's Creed, toujours en compagnie de Luni. Épisode 22, c'est parti, on va commencer par un informateur, parce qu'il est tout prêt. Et Jérusalem a vachement, enfin il est vachement plus court que les autres, j'ai l'impression. Il va être rapide. Tu as encore besoin de moi. Je ne vois pas vraiment en quoi je peux être utile. Je ne fréquente pas trop la ville. Du moins pas depuis que Majdadin a mis ma tête à prix. Trois de ses hommes me pourchassent. Talam pourrait peut-être les en dissuader. Débarrasse-toi d'eux et je trouverai bien une information qui t'intéressera. Ah, il y a quelques cibles à faire. D'accord. Pour ses convictions. C'est par le sud que le roi anglais et son armée d'infidèles. Hop, un de moins. Ils sèment la terreur dans leur village. Maintenant, discrétion. Aladdin. Montre-toi. Oh, le salaud. Il m'a eu. Bon, bah, échec. J'aurais pas dû le prendre dans le dos. Dans le devant, plutôt. C'est pas grave. Je pensais que ça aurait pu passer, mais ils s'y attendent, ils sont en alerte. Ouais, venez. Mais punaise, je voulais pas courir. Je suis en train de se taper. Ouais, mais c'est choquant quand même d'avoir du coup une plus courte que les autres. Vol. Et hop. T'as de la chance. Tu as encore besoin de moi. Je ne vois pas vraiment en quoi je peux être utile. Je ne fréquente pas trop la ville. Du moins pas depuis que Majdadin a mis ma tête à prix. Trois de ses hommes me pourchassent. Talam pourrait peut-être les en dissuader. Débarrasse-toi d'eux et je trouverai bien une information qui t'intéressera. Allons-y. On va les assassiner. Comment ça se fait qu'ils ont pu... Ah, il y a de grandes chances que là j'approche de la fin du jeu. Ah, il y en a un en hauteur. Là. Là, ce sera quand même plus discret. Merde. Non. C'est bon. Tu n'es pas le bienvenu ici. Va-t'en. Ok. Nous avons chacun au fond de nous une petite part de ténèbres. Qu'est-ce qu'il fait cet imbécile? Jour après jour, nous tentons de... Non, descend. Mais nous ne sommes que des hommes. Nous pouvons échouer. Des télétubbies. Tu regardes les télétubbies? Légère pression dans le bas du dos, voilà.
Lui, il m'a pas vu. Pour le moment. Merde. Arrête, toi. Punaise. Ils sont tous là comme des cons. C'est bon. Mais du coup, ils sont tous derrière l'autre. Je suis caché. Putain, il est juste à côté. Il faut tourner en bourrique. Casse-toi. Ah, voilà. سوف انبهك اذا رايته يمر بالجوار لن يبعد كثيرا. Il a quand même une épée hein. C'est quand même suspect mais bon. Personne. C'est l'opération du Saint-Esprit comme on dit. Ouais, c'est ça. Pour ça c'est pas très discret hein. Il y a une arme dans le dos, une arme sur le côté. Enfin. Comme Gérald. Hein. Le gars il a deux épées dans le dos. Et t'as les gars qui disent mais qu'est-ce que t'es? Ouais mais là c'est complètement c'est discret, tu sais, c'est vachement discret pour un assassin. Je commence à comprendre pourquoi on t'appelle l'élu. Voyons, que pourrais-je te dire pour t'aider? Ah oui, Majdadine adore sermonner ses victimes, le dos tourné à la foule, avant de les exécuter. Ce serait le meilleur moment pour l'attaquer. Qu'est-ce que tu en penses? Bien, maintenant je vais disparaître pendant quelque temps. Bah disparaît. On va secourir. Où se cache celui qui a fait ça? Un citoyen. Le film de Buruto. Hop. Ah voilà toi, t'es là. Je te cherchais. Je te cherchais mon ami. Ah, il est très con. Dieu soit loué, vous m'avez sauvé. Toute la ville saura que vous vous êtes sacrifié. Et c'est quoi ce bug? Interrogatoire. On va aller faire son. Moi j'ai pas regardé Naruto. Montre-toi ceux qui vous entourent, ce que vous croyez connaître. Car nous sommes tous enclins à succomber à la tentation. Si l'un d'eux désobéit à la loi, même s'il ne s'en écarte qu'un peu, il doit être dénoncé. Chaque petit délit en entraîne un plus grave. Majdadine peut nous aider. Il vous suffit de nous donner les noms des fautifs. Il n'y a aucun mal à dénoncer ce qui, autour de vous, défie la loi. Sans d'autres foi, nous ne sommes rien. C'est elle qui nous montre la voie.
la bafouer serait faire insulte à celui qui nous guide. Un tel comportement ne peut être toléré. Ok, bah allons-y. On va l'interroger. Je vais me battre avec lui. Il va aller dans la ruelle. Laissez-moi tranquille. Je te laisse tranquille. Vous allez me le payer. Mal, c'est pas vrai. Si j'ai tout, j'appelle les rêves. Et boum! Assez! Si je vis encore, c'est que j'ai une certaine importance à tes yeux. Que veux-tu? Tu connais bien Majdadin? Assez bien, oui. Je le trouve très moralisateur. La loi est-elle vraiment si importante pour lui? D'après toi? Je pense qu'il cache quelque chose. Et je pense que tu vas me dire quoi? Tout ça, c'est un écran de fumée. Les hommes comme moi, je suis là pour effrayer le peuple. Ceux qu'ils tuent ne sont pas des criminels. Mais ils représentent un danger. Un danger pour qui? Pour ses plans. Pour leurs plans. Oui, ils parlent souvent des autres. Ceux avec qui ou pour qui ils travaillent, je ne sais pas. Mais ils cherchent à contrôler la cité. C'est très important pour eux. Pourquoi? Il te faudra lui poser la question. Va assister à l'une de ses exécutions. Il en profite souvent pour s'adresser à la foule. Quand il a les mains couvertes de sang. Je n'ai plus besoin de toi. Dommage. RIP. Il restera un informateur. Mais d'abord, je secourrai la personne avant d'aller voir l'informateur. Oups. Ça a dû faire mal. Tu n'es qu'un... Attention. Mais venez. Hop. Là. Lequel? Les deux. Ok, il m'a loupé. On doutait que c'était celui-ci. Bon. Si vous attaquez pas, c'est moi qui vais attaquer. Hein. Toi, t'es foutu. C'est arrivé juste au bon moment. Une minute de plus et il m'aurait enlevé. Je vous dois la liberté. Non, je ne mourrai pas. Je n'ai pas eu envie. Informateur. Voilà, discrétion. Vous revoilà, maître. Paix et sérénité. Je suis heureux de vous voir. Nous vivons une période difficile et on me demande de faire mes preuves. Mais comparé à vous, je me sens si insignifiant. Je dois tuer deux des hommes de Majd-Adin sans combattre. Pouvez-vous me montrer la voie? Je vous en serai à jamais reconnaissant et je pourrai vous donner de précieuses informations. Bon, bah on va aller les tuer. Merde. C'est pas le bon. Bon, bah, je crois qu'on va aller à l'autre.
Dieu punit celui qui a fait ça. Où se cache-t-il ? Oh non, que s'est-il passé ? C'est tragique. Mais c'est... Oh non... Que s'est-il passé ? Oh, c'est terrible ! Montre-toi ! Punaise ! Qu'est-ce que c'est ? Ah, je sais. Mais il y peut rien. Tu n'as rien à faire ici. Va-t'en. Punaise, il y a du peuple. Oh, me dis pas qu'il est là-dedans. Non. C'est l'autre qui arrive. Il est tombé comme une feuille. S'éloigner de lui. Sinon, je risque d'être déçu. Non, pas 10 km. T'es fou, 10 km, ça représente beaucoup. Notre clan n'a jamais connu meilleur élément que vous. Laissez-moi vous raconter, maître. Je nettoyais les marches du temple. Quand j'ai entendu deux érudits qui se vantaient de pouvoir berner les soldats qui gardent l'accès à la place des exécutions. Préparez bien votre approche et laissez-les attirer l'attention des gardes. Mais je suis sûr qu'un fin stratège comme vous avait déjà tout prévu. Ouais, je suis vraiment stratège. Je fonce dans le tas, c'est stratégique. Mais ne t'énerve pas, dis donc. Tu sais, t'inquiète pas, je vais t'aider. Attends que je passe. Mais non. Punaise. Monte. Voilà, un moins. Deux de moins. Et deux géants sont morts. Ils veulent attaquer. Mais faut m'attaquer les pépères. J'ai fait qu'une fois, il y a très longtemps j'avais fait. Merci pour votre gentillesse. Je vous redonne ça. J'en fais serment. Moi ça dépend là, je suis mort souvent à cause des sauts ou de l'OB à la con hein, qu'il y a eu tout à l'heure. Sinon ça va encore. Je meurs pas trop souvent. Après c'est une question d'habitude, hein. Le combat c'est pas très compliqué. Bah adieu. Vous avez bien aimé pour le faire autant de fois. Une fois trois fois, une fois cinq fois, quand même.
Bon, ça va être la deuxième fois, mais c'est juste pour les succès. Je fais pas le 100% succès, j'en fais quelques-uns. Juste le jeu, quoi. Je crois que le jeu t'en rapporte déjà énormément des succès ou des trophées. Ça grésille l'uni. Ça grésille? Ouais. Ouais, il y a encore eu les grésillements là, ça faisait deux fois que ça les a refait. Mais t'avais fait quoi? T'avais modifié quelque chose sur. Non, non. Non, mais tu m'avais parlé tout à l'heure avec le micro, je ne sais quoi. Tu sais, pour brancher ton son. Ah, je me le diras après. Je ne suis pas cinématique. Un homme est jugé par ses actions, Altaïr, non par ses distinctions. Nous pouvons nous quereller ou poursuivre notre mission, à toi de voir. Alors dis-moi ce que tu sais. Le régent de Jérusalem, Majdadine, organise une exécution publique non loin d'ici. L'endroit sera bien gardé, mais rien d'insurmontable. Je sais quoi faire. Et voilà pourquoi tu restes un novice à mes yeux. Tu ne dois pas savoir, mais supposer. Tu dois prévoir d'éventuelles erreurs. Tu dois anticiper, Altaïr. Combien de fois devrais-je te le rappeler? J'ai compris. Autre chose? Oui, en effet. Il y a autre chose. Un de ceux qui doivent être exécutés est un de nos frères. Al-Mualim ne peut tolérer cela. Tu n'auras pas à te préoccuper de son sauvetage. Mes hommes s'en chargeront. Mais tu dois empêcher Majdadine de lui ôter la vie. Il n'en aura pas l'occasion. Je l'espère bien. Un vrai Christopher. Mais je veux m'en aller. Avance rapide vers une séquence plus récente. Cinq fois, mais t'as dû le tracer aussi. T'as pas essayé de faire le plus de choses possible quand tu l'as fait cinq fois. Je prends pas de risque. Ben maintenant je peux. Jérusalem, écoutez-moi, je suis ici aujourd'hui pour vous mettre en garde. Les malveillants sont parmi vous, ils sèment les graines de la discorde et tentent de vous tromper. Est-ce là ce que vous souhaitez? Vous voterez dans le péché et le mensonge? Vivre continuellement dans la peur? Non! Pas question! Jamais! Alors, allez-vous agir? Et comment? Oui, guidez-nous! Votre dévouement me réjouit. Ce mal doit être éradiqué. Alors seulement nous pourrons espérer nous racheter. Ce n'est pas ça, la justice! De quel droit faites-vous ça? Pour qui vous prenez-vous? Et vous restez là sans rien faire! Vous êtes complice de ce crime! Dieu vous maudisse! Ah,
Voyez comme ces hommes tentent de vous détourner du bien. Leur but, faire naître le doute et la peur en vous. Mais moi, je les en empêcherai. Les quatre-là, je vous le dis, sont tombés dans le péché. La cata, le voleur, le joueur, l'hérétique. Ces quatre-là, je vous le dis, ont attiré sur eux la colère divine. On lui donne bien des noms, mais ses péchés, eux, restent les mêmes. Elle a rejeté les enseignements. Et elle a utilisé et souillé son corps de femme pour s'enrichir. Les hommes qu'elle a touchés sont perdus à jamais. Elle doit payer. Ce ne sont que des mensonges. Ce n'est pas vrai. Je ne suis pas condamnée pour avoir couché avec d'autres hommes, non. S'il veut m'exécuter, c'est parce que j'ai refusé de coucher avec lui. Même là. Alors même qu'on lui offre le pardon. Même qu'on lui offre le pardon, je vais devoir te tuer. Ah le con, il a tapé son chef. Et voilà. Ton règne va s'achever. Non, non, il vient juste de commencer. Dis-moi, quel est ton rôle au juste? Est-ce que tu vas te défendre comme les autres l'ont fait en m'expliquant que tu voulais faire le bien? La fraternité voulait cette cité. Je voulais le pouvoir. J'y ai vu une opportunité. Une opportunité de tuer des innocents. Pas des innocents. Le peuple n'est pas sourd aux voix de ses opposants. Il menace l'ordre. En cela, je suis d'accord avec la fraternité. Tu tues des gens parce qu'ils n'ont pas les mêmes croyances que toi? Bien sûr que non. Je tue parce que j'en ai le pouvoir. Parce que j'aime ça. Sais-tu ce qu'on ressent quand on tient la vie d'un homme entre ses mains? As-tu vu comment la foule m'acclame? As-tu vu comme elle me craint? Pour eux, je suis un dieu. Tu aurais fait la même chose à ma place. Une telle puissance. Avant, peut-être. Mais j'ai vu ce qui arrive à ceux qui tentent de s'élever au-dessus des autres. Que leur arrive-t-il? Eh bien, je vais te le montrer. Au moins, ça c'est fait. Allez, c'est parti. On doit se casser. On est en alerte. Allez. On n'est pas très loin. Mais bon. Et voilà. Jérusalem n'a plus de régent. C'est ce qu'on m'a dit, en effet. Et c'est tout? Je n'ai pas droit à tes conseils avisés. Pourtant, Malik, j'ai bien dû faire quelque chose de travers. Tu as fait ce que les Hachashiyun doivent faire. Ni plus, ni moins. N'espère pas des louanges de ma part pour avoir simplement rempli ta mission. Rien de ce que je fais ne te convient. Rentre, Amasiaf. Tu auras tout le temps d'y réfléchir. Ton travail ici est terminé. Ah oh bon, on y va, ça va. Rapide vers une séquence plus récente. Les croisés peuvent être anéantis.
Avance rapide, non? Voilà, parfait. C'est déjà fini? Levez-vous. À vos ordres, professeur. J'interromps la session. Non, je ne bouge pas. Vous en êtes certain? Oui. Non? Tout est Denver. Je ne vois pas comment il pourrait... Bien sûr. Je comprends. Vous voilà dans de beaux draps, monsieur Ma. C'est quoi son problème? Ils viennent te chercher. Qui vient me chercher? Les assassins. Eh, j'ai rien à voir avec tout ça, moi. Apparemment, ils sont là pour essayer de te sauver. Tu as peut-être sous-estimé ton importance dans toute cette histoire. Ouais, bah, plus ça va, moins je comprends ce qui se passe ici. C'était pourtant prévisible. Qu'est-ce que tu veux dire? Le combat mené par ton ancêtre pendant la troisième croisade, il ne s'est jamais arrêté. Tu es prisonnier des Templiers. Vidic est un Templier? Pas étonnant que tu tombes de haut. C'est un secret bien gardé. Vidic ne fait que travailler pour eux, comme nous tous ici. Abstergo leur appartient. Je pensais que les Templiers étaient des vieillards avec des trucs bizarres sur la tête qui passaient temps à boire et à comploter pour dominer le monde. Pas tout faux. Sauf pour cette histoire de complot, peut-être. Écoute, Desmond, tout n'est pas aussi simple. Une bonne partie des inepties sur les Templiers ont été débitées par une bande d'illuminés. Le reste nous vient des Templiers eux-mêmes. Ils ont essayé de brouiller les cartes. Mais ce sont eux les méchants, pas vrai? S'il y a une chose que j'ai apprise en travaillant ici, c'est que toutes ces notions sont très relatives. Ce qu'on peut dire, c'est que leurs intentions sont louables. Ce sont les moyens qu'ils utilisent qui sont contestables. Pour ne pas dire... condamnable. Mais qu'est-ce qu'ils veulent exactement? Lucie! Oui. Mademoiselle Stillman, il faut que je vous parle. Montez, je vous attends. J'arrive, professeur. Désolée, Desmond, je dois y aller. Tu devrais en profiter pour dormir un peu. Les réponses aux questions que tu te poses sont sous tes yeux. Il te suffit de regarder au bon endroit. Ok. On va essayer de regarder au niveau du bureau, juste comme ça. Non. Desmond, je t'en prie. Je vais avoir des ennuis si je n'y vais pas. Tant que tu restes là, je ne peux pas partir. Tant que je reste là, je pouvais pas. Bah dommage. Bon bah allez hein. On peut s'échapper. Je peux pas atteindre là. Merde. Merde alors. Donc non, y a rien d'autre. Ok. Ben les amis, je vais juste me mettre au niveau de la chambre, pas forcément dormir, parce que. Je pense que ça aura sauvegardé au niveau de... d'ici, je l'espère. Je vous dis donc à très bientôt pour de prochaines aventures sur Assassin's Creed. Salut à tous !